Démissionner, la seule chose intelligente à faire désormais, selon l'aveu même de Luis Rubiales. Une annonce faite lors d'un entretien accordé à la télévision britannique et confirmée dans la foulée par un communiqué. Il est évident que je ne peux pas revenir en poste. Insister pour attendre et m'accrocher n'apportera rien de positif, ni à la fédération, ni au football espagnol. À nouveau, Luis Rubiales s'y défend de toute agression. Je ne veux pas que le football espagnol puisse subir les préjudices de cette campagne disproportionnée. J'ai confiance dans la vérité et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle prévale. Clap de fin de 3 semaines de polémique. Après son baiser forcé donné à la joueuse Jennifer Hermoso lors de la finale du Mondial le 20 août dernier, de nombreux Espagnols descendent dans la rue. Pour eux, il ne s'agit pas d'un baiser mais d'une agression. Depuis la plainte de la joueuse, Luis Rubiales est dans le viseur de la justice. Vendredi, le parquet espagnol a réclamé son inculpation pour agression sexuelle.